Bienvenue dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens encore rassurer quelqu'un avec cette méditation. Comment passer du temps avec Jésus? Et quand nous passons du temps avec Jésus, notre vie va transformer. Vous savez sans doute déjà préparer un gâteau. Pour préparer un gâteau, on commence d'abord par réaliser la pâte, puis on met le gâteau au four. Mais avant cela, on met la pâte dans un moule. La pâte à la base n'a pas de forme spécifique. Elle n'a pas une forme de gâteau. Elle est liquide ou malléable. La pâte de gâteau prend la forme du moule que vous choisirez. Si le moule est rond, le gâteau sera rond. Si le moule est carré, le gâteau aura cette forme. La pâte va s'adapter au moule. C'est la même chose avec notre vie. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous allons permettre au Saint-Esprit d'imprimer en nous le caractère de Jésus et de faire son œuvre. La présence de Dieu vient un peu comme ces moules qui nous transformons. Si nous avons compris, nous sommes comme la pâte à gâteau. D'où l'importance que le moule premier, l'environnement dans lequel nous passons du temps, soit la présence de notre Seigneur Jésus. Dieu ne va pas détruire tout ce que nous faisons. Dieu va nous façonner en respectant la personnalité qui est en nous. Comme le gâteau va grandir et dorer dans son moule, la présence de Dieu va agir comme un accélérateur de croissance dans notre vie. Nous irons de victoire en victoire et même de gloire en gloire. Comme la Bible le dit en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Laisse que cette petite méditation puisse vous encourager et vous aider à demeurer encore dans la présence de notre Seigneur Jésus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye. Devant toi, je me retrouve.